voilà. Eh bien, tu arrives à point nommé. Il n'a pas de jeu sur la tête. J'ai joué de malchance. Ces chiens m'ont trouvé alors que je cherchais à m'en aller. Maintenant qu'ils seront sur notre piste, nous ferions mieux de ne pas traîner. Cela fait plus d'un mois que je suis ce groupe. Ils volent des chariots un peu partout dans la campagne. Les gens pensent que les paysans accumulent les vivres pour faire monter les prix. Mais c'est faux. L'Assemblée ne m'a pas cru lorsque j'ai affirmé que d'autres œuvraient dans l'ombre. Elle a préféré résoudre le problème en imposant un prix du blé. Mais j'ai découvert qui manigançait tout ça. Madame Flavigny. Elle se fait passer pour une couturière qui tient boutique aux Halles. Mais c'est une imposture. Je suis heureuse que quelqu'un ait enfin décidé de m'aider. Seule, j'aurais été incapable de venir à bout de ses agents. Dépêchez-vous!
menaçant. Je ferais mieux de rester sur mes gardes. Que ces vivres parviennent au peuple. Vous trouverez Flavigny et Sulpire au marché. Je vous souhaite bonne chance. On dirait que Flavigny n'est pas encore arrivé. Commencez par éliminer ces hommes. Mauvais coup préparti. J'ai déjà tué une centaine de crétins dans ton genre. Vous avez peur de nous? Vous pouvez
pars maintenant, tu ne seras point payé. Y a-tu pas si. Fondez-les avec leur trip. Belle parole, nous n'y croyons plus. Non, écoutez, je ne vais pas vous casser. Il y a un prix à payer, nous sommes venus réclamer. Votre temps est révolu. Il devait nous retrouver ici. Le vois-tu à l'entour? C'est que j'ai donc une raison à faire, moi. J'ai bien conscience, crois-moi. Tu t'en vas? Attrapez ce scélérat! Modérée.